pourquoi sommes-nous concernés, inquiets? Parce que la population du Haut-Karabakh est à 95% arménienne. Et si les combats se poursuivent, c'est évidemment l'assurance d'un bain de sang ou d'un exode massif. Mais c'est aussi parce que le Caucase, a été dit, est une terre de convoitise, d'affrontements, qui a déjà connu deux guerres graves depuis la chute de l'URSS, la Tchétchénie et la Géorgie, et que la région peut s'enflammer. Mais c'est enfin parce que derrière les belligérants, il y a deux grandes puissances, la Russie, censée être solidaire de l'Arménie, mais aussi la Turquie, qui participe à de nombreuses opérations armées. La Libye, la Syrie, la Méditerranée orientale, et aujourd'hui, ce conflit. Et moi, je pense que l'Europe, elle ne peut pas se contenter de déplorer. Elle peut prendre l'initiative. Bien sûr, il faut exiger un cessez-le-feu immédiat, il faut travailler de concert avec le groupe de Minsk, mais il faut aussi mettre la pression sur Ankara, parce que on va se poser comme médiateur, c'est bien, mais je crains qu'à un moment, on soit obligé de choisir notre camp.